Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui. J'avais envie qu'on fasse un petit tag ensemble. Donc, on va partir sur cette base-là et je vais prendre la version craft aujourd'hui. Hop. Et comme je vous ai fait un petit tuto carte avec ces stickers-là, je me suis dit qu'on pouvait continuer dans la foulée pour faire un petit tag sur le même thème. Donc du coup, je reste avec mon papier watercolor, donc qui vient de ce bloc-là. Ok, si vous n'avez pas ce bloc-là, évidemment, vous avez tout à fait le choix de prendre un autre bloc. D'accord? Il n'y a pas d'obligation de faire exactement comme moi. Et puis, eh ben, on va prendre ce papier-là pour faire le matage. Où est mon crayon? Là. Hop. Alors, je me mets bien au bord. Là. Hop là. Et on y va, c'est parti. Hop, hop. Hop. C'est toujours délicat de faire ce truc-là. Moi, j'ai tendance à faire un petit peu approximatif. Du coup, c'est pas toujours très joli. Allez, on y va. On découpe. Ils sont où mes grands ciseaux, tiens? Bon, pas grave, je vais faire avec celui-là. Mais normalement, j'avais des grands ciseaux. Alors, je prends comme ça et après, je vais découper à l'intérieur. Voilà, hop. Donc, on y va. Il faut qu'on arrive à faire un peu plus petit que ce qu'on a, vu que c'est pour mater. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est approximatif, parce que comme je ne peux pas couper directement sur les traits, eh ben, c'est jamais très joli en fait. J'aurais tendance à pas faire correctement. Hop, et du coup, bah, je vais le faire avec mon massicot. Le reste, vu que c'est que des trucs droits, on va tricher un peu, hein. Hop, donc là, c'est parti. Maintenant que j'ai enlevé un peu plus, voilà. Ça, c'est bien. Et là, on va faire comme ça. Ah, ça a bougé. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Parce que là, maintenant, pour rattraper, ça va être compliqué. Allez, on va essayer de ne pas faire trop de bêtises. Ouais, ça n'a pas enlevé grand-chose. Est-ce qu'on est bien? C'est une vraie question. Alors, ça donne quoi? Est-ce que ça donne moche? Ou pas moche? Ça donne qu'on peut raccourcir encore. Ok, alors on raccourcit encore. Allez, encore un chouïa ici. Voilà. Et un chouïa de chaque côté. Voilà. Voilà. Hop, on bouge plus. Est-ce que cette fois-ci c'est bon? Suspense. Je peux le raccourcir encore un tout petit peu en longueur. Voilà. Est-ce que là, on est bien? Bah alors. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Donc, on peut coller. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Voilà. Qu'est-ce que ça coule trop vite. Ça coule trop vite. Allez. On colle ça sur la base du tag. Pas trop mal. Hop, j'ai débordé un petit peu ici. Voilà. Hop,
Et donc là, du coup, on perce. Voilà. Donc là, on a notre base qui est prête. Et on va pouvoir coller les stickers. Alors, donc, déjà, de base, moi, je veux mettre ça sur le côté, comme d'habitude, parce que j'aime bien qu'il y ait quelque chose. J'ai coupé un peu le bord blanc, là, par contre. Hop. Hop, on met ça ici. Moi, j'aime bien quand il y a cette petite chose. Hop là, je coupe mon surplus ici. Oh, bah, j'y arrive pas à l'attraper. Hein. Faut dire aussi que j'ai les ongles hyper longs. D'habitude, j'ai jamais les ongles aussi longs que ça. Hop. Donc là, on a mis cette petite chose sur le bord. C'est très joli. Et maintenant, on n'a plus qu'à décorer avec ce qu'on a là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Alors, est-ce qu'on ne mettrait pas ça? Déjà. Par ici et par-dessus quelque chose comme ça. Hop, on peut mettre ça là. Ouais, on peut mettre ça là et par-dessus celui-là, mais en 3D. Allez, hop, on sort les 3D. J'en ai un qui s'est collé directement sur mon doigt. J'espère que c'est bien cette taille-là. Oui. Alors, allez, on y va. On colle cette petite chose en 3D. Bah alors, ah oui. Si j'essaie de le mettre à l'envers aussi, ça ne peut pas aller. Voilà. Voilà, et un dernier. Voilà. Hop. On enlève les petites protections. Bon, j'espère en tout cas que vous allez tous bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez des très très bonnes vacances. Nous, ce sera pas tout de suite, tout de suite. Hop. Voilà, en 3D, ça nous donne... Eh, c'est pas mal! Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ma petite clé, j'aimerais bien la mettre. On verra plus tard, peut-être. Là, je veux des bobines. On peut mettre celle-ci. Oh, j'aimerais bien varier les couleurs. Allez, on va mettre celle-là. Alors, je crois que je ne suis pas droite. Non, je ne suis pas droite. C'est quand même mieux si c'est droit. Voilà, là c'est droit. Et je me disais peut-être coucher une autre bobine devant. Comme ça. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Ensuite... Qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on peut mettre un mètre, justement. Hop. Est-ce que je le mets comme ça? Non. Voilà, le mètre. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un dé à coudre ici qui est pas mal. Hop. On met là, mais en 3D. Allez. Voilà. Hop. Voilà. Déjà ça, c'est pas mal. Ouais, petit dé à coudre ici. J'aurais voulu... Là, c'est un truc pour mettre les épingles, c'est rigolo. Est-ce que j'ai une fleur plus petite, là? Elles sont toutes grosses, les fleurs. Est-ce que là, j'ai une petite fleur? Oui, j'ai une petite fleur ici. Ah, bah là aussi. Hop. On peut faire ça? Ouais, on peut faire ça. Allez. Hop. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si vous en faites aussi, ce serait sympa que je sache si vous faites aussi ce genre de petite créa ou pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre plus haut? Alors là, je me pose la question. On a un petit tag ici, là. Je ne sais pas ce que c'est exactement cette chose. On peut la mettre ici. Ouais. Et donc là-haut, on va mettre quoi? J'ai pas de petite phrase. Il y a des petites taches aussi, c'est mignon. Qu'est-ce que je vais mettre? Parce que là, ça fait un petit peu vide hein, quand même. Regardez. Ça fait un petit peu vide. Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas, le cintre, j'aimerais bien, mais je me dis que ça fait peut-être bizarre en haut. Je sais pas. Alors là, je suis sceptique. Je sèche un peu les filles. Je sèche un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je mettrais bien cette petite fleur ici. Voilà. Ouais, pas mal du tout. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, c'est embêtant, hein, quand on sait pas quoi mettre comme ça. Bon, bah, peut-être mettre vraiment le cintre alors du coup. Ouais, allez. Hop, on met le cintre. Ah, ça fait vide ici, j'aurais bien aimé... Il n'y a pas de mots là-dedans. Non, il n'y a pas de mots. Alors, bah, je vais regarder dans mon bloc. Est-ce que dans le bloc, on a des mots? Non, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ça m'embête. Alors, et bah, du coup, on fait avec ce qu'on a. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Tant pis.
On improvise et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Est-ce qu'on mettrait une clé quelque part? Ben non, ça me plaît pas. Ok, allez. Ah, c'est agaçant hein, quand on n'a pas d'inspiration comme ça là d'un coup. Est-ce que je ne mettrais pas ça? Hop, est-ce qu'on mettrait pas ça par là? Ouais, allez. On met ça. C'est rigolo. C'est rigolo. Bon, allez, on s'arrête là pour les stickers. On va faire une petite déco avec les énamel dots. Hop, les trois comme ça, c'est bien. Et on y va. Petite déco. Allez. Voilà. Un autre ici, allez. Et hop, un petit de couleur blanc ici. Allez. Alors, le blanc, il faut faire attention parce qu'il est plus liquide que les autres. Voilà. Hop, le rose, du coup, je vais peut-être le faire un tout petit peu plus gros. Voilà. Alors, on les écrase un petit peu. Hop. Et ben, on va mettre un petit ruban. Donc, j'ai pris le lot de rubans qu'on avait chez Action pendant un moment. Hop. Il est tout neuf celui-là. Je ne l'ai encore jamais utilisé. Hop. Je suis hors caméra, c'est intéressant. Voilà, j'essaie de le couper. Allez, on va le couper pointu, tiens. Voilà. N'importe quoi. Si je coupe pas dans le bon sens, ça va pas être joli. Ouais, voilà, c'est mieux déjà. Hop. Je fais n'importe quoi. Et comme ça. Voilà, là, il est comme je voulais. Et on va passer dedans. Fais attention, parce qu'avec mes enamel dots, je suis capable de foutre les doigts dedans. Et après, ce sera plus joli du tout. Voilà. Hop. Et comme ça, c'est joli. Hop. Et bah, je trouve que ça va. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Et puis, dites-moi aussi si vous, vous en avez fait. Ce serait intéressant parce que moi, j'aime bien savoir si vous faites ou pas des petites créas comme nous. Donc voilà, moi je vous fais plein plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez bien bien soin de vous, ciao ciao!